les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, petite vidéo, je réagis à vos looks. De toute façon au bout d'un moment vous avez l'habitude, c'est parti. Le seul truc que j'ai envie de faire différemment avec ce genre de vidéo, c'est que maintenant je vais faire passer 10 personnes, pas 15. Parce que 15 c'est trop long je trouve. Mais 10 c'est bien. Donc comme d'habitude, si vous voulez participer, il faut juste me suivre sur Insta et m'envoyer une photo. Mais par contre, arrêtez de me demander quand je vais sortir la vidéo, parce que c'est souvent archi longtemps après que vous m'ayez envoyé les photos. Quand je vous demande de m'envoyer des photos, il faut toujours le temps de faire la vidéo, de la monter. Et ça prend énormément de temps en fait. Donc je veux bien faire des efforts, mais déjà j'ai des vidéos à sortir, j'ai du taf et c'est compliqué de toujours tout sortir en fait. Je peux pas tout faire rapidement. On commence avec Thomas qui m'envoie une photo avec un sweat Wasted Paris, un cargo simple vert, des chaussettes Wasted Paris et des Yeezy Antlia. J'adore ta tenue, franchement j'adore. Tu sais, je t'avais fait la remarque plusieurs fois de mettre des couleurs qui iraient plus avec ta couleur de cheveux. Je trouve que ça rend grave bien là pour le coup. Je trouve que dans cette photo tes cheveux hip hop et c'est vraiment ça l'effet que je voulais voir en fait. Ça rend grave bien. Le sweat camo gris, je trouve qu'il te va grave bien. Le jogger kaki, il est simple et cool, il est efficace. Les chaussettes remontées avec les Yeezy Antlia, je trouve que ça rend archi bien aussi. Franchement, j'ai rien à dire sur cette tenue, je valide complètement à part la montre. Une petite montre, ça aurait été bien, un petit accessoire, tu vois, un petit truc au poignet. Mais sinon les couleurs te vont grave bien. Franchement, cette tenue, elle te va archi bien en gros. Ensuite, nous avons Tanguy qui m'a envoyé une photo avec des Air Max One Have a Nice Day, un jean chino de chez Zara, un t-shirt d'une friperie, une montre Paul Lanier. J'adore. J'adore les couleurs, j'adore les coupes des vêtements. Les chaussures, je trouve qu'elles vont grave bien avec le t-shirt évidemment, parce que c'est match rose et rose. Le souche noir, il va bien avec le pantalon. Enfin, franchement, top, rien à dire. En plus, t'as mis une petite montre noire, c'est nickel. Tenue fortement validée, en fait, je lis complètement, j'ai rien à dire. C'est top pour l'été, c'est coloré, c'est simple, c'est cool. Petite pause là, on valide. Avec les petits écouteurs, franchement, on valide tout. J'adore. C'est le genre de tenue que j'adore voir et c'est grave le genre de tenue que je pourrais porter. Je trouve que c'est simple et archi efficace. Ah, mon petit ref. Il m'a envoyé une photo avec des sneakers, donc des Jordan 1 Flight Red, des chaussettes champion, un pantalon qui vient de chez Asos, un hoodie Uniqlo, une chemise Uniqlo, une banane Nike et une casquette X-Tentation. X-Tentation Revenge. Alors j'aime bien l'association des couleurs, je trouve que c'est simple et efficace. Chemise rouge avec chaussures rouges, petite casquette noire, et je trouve que le noir et le rouge ça va grave bien ensemble. Petite pause tranquille dans le jardin. Non, je kiffe cette photo, elle est propre. Par contre, je vois pas au poignet si t'as une montre ou pas, donc je peux pas trop critiquer. Mais sinon, s'il y avait un truc qui manquait, ce serait juste ça. Pas de soucis, mon gars, tenue très validée. Alors nous avons Guillaume ensuite qui m'a envoyé une photo avec une casquette suprême, un t-shirt suprême, un pantalon cargo H&M et des Sakai nylon black. C'est une tenue très sobre au niveau couleur, c'est une tenue qui passe très bien je trouve. Pour le t-shirt noir par contre, le seul truc que j'aurais dit c'est que les manches sont un peu trop longues. Je trouve qu'elles ne montrent pas cette biceps, c'est juste ça qui me dérange. Mais sinon la montre noire, t-shirt noir, chaussures noires, les Sakai j'aime bien. Même si ce coloré c'est pas mon préféré mais ça va. Le petit pantalon un peu large kaki, je trouve qu'il te va bien. Il fait un rappel avec la petite casquette suprême, c'est cool. Les chaussettes noires apparentes, bah ça complète la tenue qui est assez dark. Moi franchement je valide, c'est cool. Le seul truc que j'aurais à dire c'est que les manches sont un peu trop longues, le t-shirt est un peu trop long, c'est tout. Ah, l'enfant fou. C'est un petit fou le Sacha, il faut le connaître, c'est un petit fou. Il m'a envoyé une photo avec un t-shirt Intersport à 20€, un pantalon Bisby, des Yeezy Yeechel et des chaussettes Nike Intersport. Franchement petit Sacha, c'est une tenue simple et efficace tu vois. Je vais quand même te dire les trucs qui me dérangent. Le fait que le t-shirt soit Nike et que les baskets ce soit des Adidas tu vois. Ça me pose un peu problème mais bon c'est personnel. Après la même remarque que pour Guillaume, c'est à dire que les manches du t-shirt sont un peu trop longues je trouve. Et en plus t'as mis des chaussettes Nike donc qui vont bien avec le t-shirt mais qui sont vraiment trop en désaccord avec les chaussures. C'est que mon avis évidemment. C'est quand même une tenue essentiellement sport mais du coup j'aurais ajouter une petite montre aussi. Mais sinon au niveau des couleurs ça fonctionne, il n'y a pas de soucis, c'est une tenue sobre, une tenue qui peut bien passer, mais après c'est juste les petits détails que je t'ai donné que j'aurais modifié. Lidsor 11 qui m'a envoyé une photo avec un hoodie gris Projet X Paris, un pantalon multipoche noir avec ceinture Projet X Paris et des Air Force One noirs. Alors c'est une tenue de niveau couleur, c'est très sobre, mais je trouve qu'elles te vont grave bien les couleurs. Je suis fan du pantalon, le modèle cargo comme ça j'adore. Quand je dis cargo comme ça, tu vois, c'est quand c'est quand même resserré au niveau des mollets, parce que trop large j'aime pas trop pour l'instant, enfin j'arrive toujours pas. J'aime bien la pose avec le masque, je trouve qu'il y a un flow. Après j'aurais rajouté une petite montre comme j'arrête pas de le dire tout le temps, mais ça va, c'est que du détail. Et j'aurais aussi pris des chaussettes noires parce que la démarcation avec les chaussettes blanches, je suis pas ultra fan, c'est que mon avis évidemment, mais voilà, c'est juste ça. J'aurais pris des chaussettes noires et j'aurais pris une montre noire, ça aurait été parfait du coup. Après nous avons Hugo qui m'a envoyé une photo avec un pull Uniqlo, un pantalon Uniqlo, des Air Max 90 13 Anniversary Purple OG, des chaussettes Nike et une ceinture Stussy. Il m'a dit que c'était une tenue super simple, mais perso j'adore. Je sais pas si t'as fait exprès de prendre un sweat un peu effet oversize, mais perso je trouve qu'il te va archi bien, c'est grave beau. Le pantalon, franchement je suis pas fan des coupes larges comme ça, mais je trouve que tu le portes grave bien, je sais pas pourquoi, sur toi ça va grave bien. Les chaussures sont cool, franchement j'aime bien. Je crois qu'elles sont violettes ou bleues, je sais pas. Mais en tout cas ça rend bien avec le reste de la tenue. Franchement tu dis que c'est une tenue simple, mais au niveau des coupes c'est plus audacieux que la normale, donc pour moi c'est cool. C'est une tenue qui est 100% validée, même moi qui déteste, qui ai du mal avec les pantalons larges, je valide de ouf. Donc c'est cool mon gars, c'est cool. Après évidemment, petite montre ça aurait été parfait. Mais j'adore ta tenue mon gars, comme quoi la simplicité, ça a du bon parfois. Deuxième Hugo qui m'envoie une tenue avec une veste hélice,
Ailes, je sais pas comment ça se prononce, un pantalon cargo noir projet X Paris, des Air Max 97 OG Silver, la photo est juste oufissime. Les détails de gris et de noir, bon moi je suis plus tenue colorée tu vois, mais franchement je trouve que ça rend grave bien. Et le gris et le noir je trouve que c'est des couleurs qui te vont bien, y a pas de souci. Je suis pas trop fan de la matière de la veste. Les Air Max 97 comme ça, grises, j'aimerais bien en acheter. J'aime pas les paires grises en général tu vois, mais je trouve que tu les portes grave bien et ça donne envie de les acheter. Mais sinon je kiffe la pose, je kiffe l'assurance, genre j'adore. Après une petite montre ça aurait été mieux, je dis ça je dis rien. Mais sinon je trouve que la photo a un flou, j'adore ta photo. En dessous nous avons Sean qui m'a envoyé une photo avec un sweat caporal à 60€, une veste en jean caporal à 85€, un pantalon noir HM à 20€ et des Oswego en promo 45 au lieu de 90. Ok, la photo est cool. La photo est cool, déjà j'aime bien le décor, c'est cool. Et pour ce qui est de la tenue, je trouve que c'est une tenue efficace. J'ai l'impression que t'as voulu vraiment respecter la règle des trois couleurs, parce qu'on a du noir, du jaune un peu au niveau du haut du t-shirt et une veste en jean qui est bleue. Je ne peux pas ne pas valider cette tenue en fait. Pour moi, il n'y a aucun problème. Les semelles blanches des chaussures vont bien avec le haut du t-shirt, la partie blanche du haut du t-shirt. Le haut du t-shirt jaune, ça rajoute la petite touche de couleur. Franchement, c'est une tenue propre, j'aime bien. J'aime bien la coupe du pantalon, t'as fait des ourlets qui sont très bien faits, parce que tout le monde sait faire les ourlets sauf moi. Le seul truc que j'aurais rajouté, bah, je vais vous dire ça à tous, c'est de mettre une petite montre en fait. Je te jure. Ça met la tenue direct au-dessus, genre. Ça montre que tu fais attention aux détails, et ça, c'est important, tu vois. Mais sinon, tenue validée, mon gars. Et la dernière tenue nous vient de Jérémy, avec un col roulé de chez Bouhou, une veste de chez je sais plus où. Ok. Une ceinture Hermès, un pantalon Prince de Galles de chez Bouhou, et des Yeezy 700 V2 statiques. Oh, voilà, j'y veux trop, celle-là. Alors, c'est une tenue sacrément habillée. Le petit col roulé noir avec le par-dessus camel, je trouve que les couleurs te vont archi bien. Le pantalon, je trouve qu'il est un peu trop fluide, par contre, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus ajusté. Surtout, je pense que ça rendrait un peu mieux, mais c'est que mes goûts. Par contre, j'adore la paire, mais je trouve qu'elle va pas très bien avec cette tenue. Je trouve qu'elle est un peu trop street et la porter en mode classe comme ça, c'est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si on peut porter cette paire en mode classe, mais moi, je trouve que ça rend pas trop bien avec le reste de la tenue. Genre, t'aurais mis une paire banale de chaussures blanches, je trouve que ça irait mieux avec cette tenue. Mais là, mettre une paire aussi street, je trouve que c'est compliqué. Mais sinon, très belle tenue, mon gars. Là, je peux pas critiquer tes poignets, mais très belle tenue. Bon, en soi, Jérémy était censé être le dernier, mais vas-y, je vais faire passer le petit Mathéo. Parce que j'aime bien, même s'il est sacrément chiant en DM. Donc, il porte un hoodie blanc acheté sur Asos à 15€, un pantalon à carreaux de Pull&Bear à 15€ et des Young 96 blanches de chez Adidas à 50€. Après, il dit que cette tenue, il la porterait pas tous les jours, mais c'est pas moche, mais il y a quand même plus beau. Bah, franchement, moi, j'aime bien la tenue, mon gars. Je trouve que les couleurs te vont bien, le blanc comme ça, avec le gris, je trouve que ça te va bien. Donc, j'allais te fort le hoodie. Le pantalon un peu sauté comme ça, je trouve, j'aime bien l'effet. J'aime bien. Ça change des pantalons skinny. Dixit. Et les baskets, j'allais te fort. Donc, franchement, dans cette tenue, il y a aucun souci pour moi. L'accord des couleurs est bien respecté. La petite touche de peps orange au niveau des baskets, j'aime bien. Bon, je vois aucun poignet, donc je peux pas dire que si t'as besoin d'une montre. Mais tenue très, très validée, mon gars. Franchement, bien vu. Le pantalon à carreaux va très bien avec cette tenue, je trouve. Ça apporte la petite touche un peu plus habillée comparé au reste qui est assez street. C'est bien vu, c'est validé. Voilà, donc c'était la dernière personne. Bon, finalement, j'ai fait 11 et le 10, mais c'est vraiment pour le petit Mathéo. Enfin, je voulais pas le laisser, hein. Voilà. Et il sait que je l'appelle petit Mathéo pour l'énerver. Donc voilà les gens, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous avez préférée. Et je me répète, mais si vous voulez participer à ce genre de vidéo, il faut juste me suivre sur Insta. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et mettez un hashtag Team Insta en commentaire si vous venez d'Insta. Portez-vous bien. Tchuss.